Lilian Thuram, son tech là Antoine Griezmann. Dimanche 17 décembre 2017, Antoine Griezmann se retrouvait dans l'œil du cyclone après avoir publié une photo au U grave, il était grimé en noir, renvoyant à la tradition du blackface. La polémique a été relancée aujourd'hui, puisque Lilian Thuram s'est exprimé sur le sujet, et n'a pas épargné l'attaquant vedette des Bleus. Antoine Griezmann n'en a donc pas fini avec le blackface gate. Alors que l'on croyait la polémique close, Lilian Thuram a remis de l'huile sur le feu, ce matin alors qu'il présentait à la presse imaginaire et représentation de l'Orient, question de regard, au musée de la Croix à Paris, une exposition organisée par sa fondation pour l'éducation contre le racisme. Ce n'est pas anodin, a souligné le champion du monde aux Parisiens, alors qu'il se trouvait dans une salle de l'exposition dédiée au déguisement. Ça raconte une histoire, celle de notre culture. Pourquoi on s'amuse à se déguiser en oriental, ou en noir? Un jeune noir qui voudrait se déguiser en Superman, ne se maquillerait jamais en blanc, lui, car cela n'aurait aucun sens. On peut se déguiser avec un short et un maillot, c'est suffisant. Rappelons que le Conseil représentatif des associations noires, avait déjà condamné l'attitude d'Antoine Griezmann il y a un mois. Dans son communiqué, le CRAN avait écrit « Le blackface n'est pas une maladresse, c'est un acte raciste ». Nul n'ignore que le fait de se grimer en noir, renvoie à une vision péjorative et humiliante des personnes noires. Il faut que la ministre des Sports, et que les autorités de la FFF, Fédération Française de Football ne de la rédaction, condamnent fermement ces pratiques, et prennent les mesures nécessaires, pour que cela ne se reproduise plus. Ce matin en marge de la présentation de son exposition, Lilian Thuram est aussi revenu sur les insultes racistes proférées contre Blaise Matuidi le week-end dernier. « On ne n'est pas raciste », a insisté l'ancien défenseur le plus cher du monde. Pour en venir à insulter un joueur noir sur un terrain, il y a toute une histoire avant. Des préjugés sont parfois cachés dans les tableaux, dans les livres. Nos cultures se sont construites sur le racisme et le sexisme. En questionnant notre regard, dans un musée par exemple, on peut amener des jeunes à apprécier l'art et à réfléchir autrement.